tester le cours de piano pop débutant. J'en suis ravie, c'est un cours qui est super. J'adore la pédagogie de Cyril, je comprends toujours très très bien ce qu'il dit. Je suis épatée au bout de seulement d'un mois d'arriver à jouer avec les deux mains. La méthode Cyril, qui à mon avis la meilleure de toutes, je ne peux que le recommander. Si vous êtes fan déjà de la méthode My Guitar et que vous voulez essayer le piano, jetez-vous dessus. Après 4 semaines de test, je sens que j'ai vraiment progressé. Ça me donne envie de continuer. C'est un bonheur. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, tout aussi bien fait que les cours de guitare et tout aussi intéressant et didactique. J'ai même eu la réflexion de mon fils qui, en m'entendant jouer, disait que je jouais super bien. Ça fait plaisir, après quelques semaines, d'avoir des échos comme ça de l'entourage. L'objectif à terme est vraiment de nous affranchir d'une quelconque partition, voire même d'une grille d'accords. Il arrive évidemment qu'on se heurte à une difficulté qui a du mal à passer. Et bien dans ce cas, on peut choisir soit de demander directement à Cyril si on a l'option VIP, soit on peut se tourner vers la communauté qui est composée des autres élèves. La clé de fa, j'avais jamais rien compris à l'école, et là j'ai tout à fait compris que bon, il y a une ligne entre la clé de fa et la clé de sol, et puis on se complique pas plus la vie que ça. J'ai découvert un cours extrêmement bien construit, des séances bien préparées, ludiques, progressives. On a vraiment cette sensation d'avoir quelqu'un avec nous. Voilà, moi je mets ma petite tablette ici. J'ai Cyril à domicile qui me fait mon petit cours. La difficulté des cours est franchement bien dosée, même pour un débutant, sans aucune connaissance musicale particulière théorique, il peut s'en sortir sans aucun problème. Là, je me suis encore surpris hier. J'étais au centre commercial, j'attendais mon épouse qui était dans un magasin de vêtements. Il y avait un piano à disposition. Eh bien, je voulais un petit morceau en public. Voilà, même pas peur. C'était pas parfait, mais je me suis bien amusé. Vous allez vous régaler avec des morceaux connus qui sont super bien retranscrits. Moi, personnellement, depuis que j'ai fini le test, j'attends que la suite.